All right, soyez-vous levé. Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Juge président, nous allons donc poursuivre en parlant d'autres réunions, Madame Samba Panza. Des réunions que vous avez pu tenir ou pas avec les représentants des anti-Balaka. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu une réunion avec eux pour préparer le sommet de Brazzaville? Oui, monsieur le juge, j'ai eu plusieurs réunions pour préparer la réunion de Brazzaville, avec les anti-Balaka, avec les Séléka, avec les forces vives de la nation. Question. Et quel était l'objectif de se réunir avec tous les parties prenantes, Séléka, anti-Balaka, c'est-à-dire pas spécifiquement les anti-Balaka, mais quel était l'objet de ces réunions, d'après vous? Monsieur le juge, l'agenda de la transition avait prévu un certain nombre d'actions prioritaires à mener, dont la réconciliation nationale, les actions de cohésion sociale, etc. Parce que sans cohésion sociale, sans cohésion nationale, sans réconciliation, rien ne pouvait aboutir. Le programme de la transition ne pouvait aboutir. Donc, parmi les actions à mener et les engagements pris par les autorités de la transition, il y avait l'organisation d'un forum inter-centrafricain. Il fallait que les centrafricains se réunissent pour pouvoir discuter, voir quels étaient leurs problèmes, comment les résoudre, quelles voies emprunter pour ramener la paix, la sécurité, le développement, remettre l'administration en fonctionnement. Donc, tout ce qu'on demandait, en fait, c'est un processus de réconciliation nationale. Et Madame Samba Panza, we had a Madame Samba Panza, nous avons un petit problème. Je vais vous interrompre si vous me le permettez. Nous avons malheureusement un petit problème de connexion. Comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, reprendre les deux ou trois dernières phrases que vous avez prononcées? Je crois que la connexion est rétablie, donc essayons d'y aller, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le juge. Donc, dans le processus de la transition, il y avait le forum inter-centrafricain où tous les centrafricains devaient se réunir pour donc réfléchir à la crise qui n'arrête pas en République centrafricaine et aux solutions de sortie de crise. Donc la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a prévu un premier forum en prélude au grand forum de réconciliation à Bangui, un premier forum à Brazzaville. Donc, tous les centrafricains, toutes les parties prenantes à la crise devaient se réunir à Brazzaville sous l'égide donc du médiateur de la crise centrafricaine qui était le président Denis Sassou Nguesso. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres des forces vives de la nation n'étaient pas pour aller à Brazzaville. Ils estimaient que la crise centrafricaine devait se résoudre en République centrafricaine. On n'avait pas à se transporter dans un autre pays pour trouver des solutions à la crise centrafricaine. Mais nous, au niveau des autorités de la transition, nous étions persuadés que ce préalable d'une rencontre à Brazzaville était nécessaire. En dehors de la scène des crimes, en dehors de la scène des crises, etc., c'était important d'avoir cette réunion sous la houlette du médiateur de la crise centrafricaine. Alors, il me fallait convaincre toutes les forces vives de la nation, toutes les composantes de la crise centrafricaine, dont je recevais régulièrement. Il me fallait faire des réunions, surtout pour convaincre qu'il faut qu'on aille à Brazzaville. Et les anti-Balaka étaient de ceux qui ne voulaient pas qu'on aille à Brazzaville.
et donc je les rencontrais régulièrement pour essayer de présenter des arguments pour soutenir la rencontre de Brazzaville. Question. Et comment les avez-vous convaincus de se rendre à Brazzaville? Quels étaient vos arguments? Enfin, en tout cas, les arguments qui ont porté, in fine, parce que nous savons que le sommet a eu lieu et nous savons que les représentants des Antibalaka y ont participé. Oui, ils ont participé à une forte délégation, au moins une quinzaine ou une vingtaine, puisque vous avez la liste des participants au sommet de Brazzaville. Je leur ai expliqué que pour cette crise, nous étions accompagnés, non seulement par la communauté internationale, mais par la communauté africaine dans le cadre de la solidarité africaine. Et que la CEAC a toujours été à nos côtés durant toutes ces crises. Et nous avons toujours accepté donc leur accompagnement. Et c'est la CEAC qui a désigné un médiateur de la crise centrafricaine. Et ce médiateur organise donc une rencontre dans son pays avec tous les autres membres de la CEAC. Il nous fallait y aller. Et étant en dehors de la scène de la crise, nous serons plus libres, plus détendus et nous serons à même d'examiner tous les aspects de la crise et proposer les solutions. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs politiques centrafricains qui ne pouvaient pas revenir à Bangui, d'acteurs politiques militaires également qui ne pouvaient pas revenir à Bangui. Il fallait un terrain neutre déjà pour se réunir, calmer les esprits. Une fois qu'on se serait mis d'accord, on pourrait maintenant organiser une grande réunion à Bangui. Et c'est comme ça qu'on a pu aller à Brazzaville. Thank you, Madame Samba. Merci, Madame Samba Panza. Quelle a été la conclusion du sommet de Brazzaville, l'issue? Il y a eu des accords qui ont été signés à Brazzaville. Quand on allait à Brazzaville, il y avait une grande tension politique. Il y avait des tendances séparatistes. Donc, pour que la République centrafricaine soit divisée en deux, un côté musulman, un côté non musulman. Et puis aussi, il y avait les problèmes de désarmement. Qui se posait également avec vraiment beaucoup d'acuité. Donc, il fallait désarmer, démobiliser, mais surtout cesser donc les hostilités. Donc, Brazzaville a permis donc de signer un accord de cessation d'hostilités et également un engagement pour aller vers la démobilisation, le cantonnement, le DDR. After Brazzaville. Question. Après Brazzaville, est-ce que effectivement les hostilités, la violence s'est arrêtée? Non, monsieur le juge. Après Brazzaville, il avait été décidé que les groupes armés, avec l'aide financière de la CEAC, de la communauté internationale, descendent sur le terrain, expliquer aux hommes de terrain, aux troupes de terrain, les accords qui ont été signés à Brazzaville, leur importance et quelles étaient les modalités pratiques de ces accords-là. Donc, on a mis en place des comités de suivi auprès des groupes armés, auprès des partis politiques. Il y avait en tout cas des comités de suivi qui devaient aller expliquer les accords, les grandes lignes des accords de Brazzaville. Malheureusement, il n'y a pas eu le financement nécessaire pour permettre le déploiement donc des groupes armés sur le terrain. Ça a posé beaucoup de problèmes au niveau des groupes armés. Leurs éléments sur le terrain ont estimé qu'ils sont allés à une grande messe à Brazzaville et que eux, sur le terrain, ils ont été abandonnés et qu'ils ne partagent pas les décisions qui ont été prises à Brazzaville. Donc, il y a eu un problème de communication et les accords à Brazzaville n'ont pas été
approprié les éléments de terrain. Madame Samba Panza, again we have a, again we have a... Madame, pardon, nous avons de nouveau un problème de connexion. Je suis vraiment désolé de vous interrompre. Vous pouvez le voir, j'imagine, ma déception. Merci et pardon encore une fois. Il s'agit de circonstances tout à fait particulières. Nous avons également un problème informatique ici à la cour. Donc, une nouvelle fois, pardon, mais je vais vous demander de bien vouloir répéter vos deux ou trois dernières phrases, s'il vous plaît. Donc, je me disais, par manque de communication, par manque de descente sur le terrain, par les comités de suivi mis en place, les accords de Brazzaville n'ont pas pu être vulgarisés et les troupes n'ont pas pu s'approprier donc le contenu de ces accords-là, ce qui a créé beaucoup de problèmes entre les responsables des groupes armés, des partis politiques aussi, et leurs bases. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. And when you recognize... Question. Et lorsque... Enfin, est-ce que vous pourriez dire que les promesses, les déclarations faites à Brazzaville, tout ça, finalement, lorsque vous êtes rendu compte qu'elles n'étaient pas... qu'elles n'entraînaient pas des mesures concrètes, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Monsieur le juge, l'accord de Brazzaville avait prévu tout un processus. Il y a l'accord de Brazzaville. Ensuite, il devait y avoir le forum inter-centrafricain de Bangui. Mais avant le forum inter-centrafricain de Bangui, il devait y avoir ce qu'on appelait les consultations populaires à la base. C'est-à-dire envoyer des éléments sur le terrain, éléments armés, éléments politiques, éléments administratifs, pour recueillir les avis des populations, leurs attentes, leurs propositions de résolution de la crise centrafricaine. Donc, nous l'avons fait. Nous avons envoyé sur le terrain, dès le mois de février, l'accord de Brazzaville a eu lieu en 2014, dès le mois de février. On a envoyé des éléments sur le terrain pour recueillir donc le point de vue de la population pour nous permettre de rédiger la constitution de la République centrafricaine, pour nous permettre également d'améliorer le code électoral en vue de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues conformément au processus de la transition. Donc tout le monde a été impliqué, tout le monde a été sur le terrain pour aller donc parler à la population, aux autorités locales, aux jeunes, aux femmes, recueillir leur point de vue. Et quand tout cela est revenu, on a fait donc une restitution et on a sorti les grandes lignes qui ont été donc recueillies et ont permis de préparer le forum de Bangui du mois de mai, où tout le monde a été convié, plus de 700 personnes ont pris part au forum de Bangui. Thank you. Merci. Nous allons, d'une certaine manière, quitter Brazzaville, la préparation du sommet et ses conséquences. Nous passons à un autre sujet. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion avec des représentants des anti-Balaka dans le contexte de ce qu'on appelait la ville morte? Dans le contexte de la ville. Les anti-Balaka, monsieur le juge, organisaient constamment des barrages, des barrières, des villes mortes pour manifester leur mécontentement contre la gouvernance des autorités de la transition et surtout la non-prise en compte des anti-Balaka. Ils réclamaient notamment le regroupement des anti-Balaka, leur reconnaissance de manière officielle en tant que mouvement patriote, leur prise en charge, leur cantonnement également. Et on n'arrivait pas donc à satisfaire ces demandes-là. Et puis, ils estimaient qu'on faisait la part belle aux Séléka, qui étaient plus nombreux
dans le gouvernement, qui étaient plus nombreux au niveau du Conseil national de transition. Donc, il y avait constamment des manifestations, constamment des villes mortes. Évidemment, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Et quand il y avait ce genre d'activité qui perturbait un peu le pays et Bangui, ben, je les appelais. Je les appelais pour discuter, je les appelais pour échanger, je les appelais pour essayer de voir quel type de solution on pouvait trouver ensemble. And when these... Question. Et lorsque ces problèmes sont survenus, vous parliez avec qui? Avec qui vous avez-vous parlé? Ils étaient souvent très nombreux. Hein. Quand j'appelais les anti-Balaka, ils venaient nombreux. Mais les interlocuteurs récurrents, c'était Patrice Ngaïsona, c'était Konaté, c'était Kamizulay, c'était... Il y a un certain nombre. Namsio, Émotion, voilà. En tout cas, il répondait à mes appels. Question. Et vous avez dit dans votre dernière réponse à l'instant qu'il y avait des demandes d'Anti-Balaka, par exemple la reconnaissance, c'est ça qu'il souhaitait. Et vous dites que vous n'avez pas pu répondre à ces demandes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En ce qui concerne la demande de reconnaissance au niveau national du mouvement en tant que mouvement patriote, nous avions dans la population centrafricaine des anti-Balaka, des Seleka, des non-anti-Balaka, des non-Seleka, etc. et tout, qui ont tous subi des exactions, qui ont souffert également des actions menées par les anti-Balaka, les Seleka et autres. Je ne pouvais pas reconnaître en tant qu'autorité un mouvement comme étant un mouvement patriote. Il voulait cette reconnaissance officielle. Je ne pouvais pas. Ensuite, il demandait le cantonnement avec prise en charge des anti-Balaka. Il demandait qu'on leur établisse des cartes d'anti-Balaka, comment on appelle ça, des cartes d'identification anti-Balaka. Au cours d'une des réunions, quand j'ai demandé combien ils étaient, ils s'attendaient, ils m'ont parlé de 58 000 anti-Balaka. Je dis que je ne pouvais pas prendre en charge la reconnaissance et de 58 000 éléments. Et puis, les cantonnés avaient un coût également que la transition ne pouvait pas assumer. Ils ont demandé le retour de certains éléments dans leur localité. J'étais tout à fait d'accord pour le retour des éléments oisifs, non actifs qui sont à Bangui et qu'il fallait renvoyer dans leur localité respective. J'ai contacté la communauté internationale, les organisations des Nations Unies, de l'Union africaine, pour étudier on pouvait assurer le retour de certains anti-Balaka dans leur localité. Ce qui revenait souvent avec la FAO, etc., c'est qu'on leur prépare des kits. Pour la plupart, c'est des agriculteurs qui s'occupaient de terres, de champs. Donc, on a dit qu'on leur préparait des kits pour leur donner des semences. On mettait à disposition des véhicules des Nations Unies ou de la MISCA, de l'Union africaine, etc., pour faire des vagues de retour. Mais beaucoup ont refusé et préféré de l'argent. Ils ont fait une estimation, ils préféraient de l'argent. Ce que la communauté internationale qui m'accompagnait ne pouvait faire. Question. Vous avez mentionné brièvement que les anti-Balaka avaient appelé à votre démission. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur ce sujet?
Monsieur le juge, à chaque fois qu'il y avait ville morte, à chaque fois qu'il y avait manifestation, c'était pour demander la démission de Madame Samba Panza. Donc, à chaque fois. C'est politique, hein. On n'y peut rien. Il y a des gens derrière qui poussaient et puis eux-mêmes, ils pensaient que je ne répondais pas trop à l'espoir qu'ils avaient mis en moi quand je suis arrivé à la tête du pays. Donc, la meilleure solution, c'est que je puisse dégager. D'ailleurs, il y avait des pancartes, Samba Panza dégage. Donc, voilà. Question. J'aimerais à présent vous poser des questions sur les anti-balaka en général. D'abord, que pouvez-vous nous dire, ou que savez-vous, pour le dire de cette manière-là, de la structure et de l'organisation des anti-balaka? Pendant longtemps, je ne connaissais pas l'existence des anti-balaka, comment ils étaient organisés, quelle était leur structure, jusqu'à ce que la crise ait commencé à prendre une certaine allure, une certaine forme. Pendant que j'étais à la mairie de Bangui, il y a eu mon intervention pour la prise d'otages des 5 ressortissants musulmans. Ça a été vraiment l'occasion pour moi d'être en contact avec les anti-balaka et de les connaître. Et compte tenu de cette action que j'ai menée, il y a un prêtre qui était à Boyerab, un prêtre nigérian, qui était à l'église Saint-Bernard, qui m'a fait appel et qui m'a dit que mon langage lors de la déclaration sur la prise d'otage était un langage assez conciliant et que lui, il pouvait me mettre en contact avec des anti-balaka pour qu'on mène des actions de cohésion sociale, de réconciliation nationale, mener des actions d'éducation sportive, etc., pour qu'on puisse y avoir un rapprochement. Et il m'a conseillé de me mettre en contact avec Namsio, émotion, voilà, avec émotion. C'est vraiment l'anti-balaka qu'il m'a conseillé de voir, et parce qu'il connaissait bien les autres anti-balaka et qu'il avait une certaine ascendance sur eux. Et donc, j'ai été à l'église Saint-Bernard, en fait, pour voir les victimes, parce que c'était un centre de déplacés internes, sous la houlette de l'Église catholique, et j'aidais beaucoup donc ce père-là pour faire face aux besoins des personnes déplacées. Et donc il m'a dit de venir un jour faire une réunion avec les personnes déplacées. Et au cours de la réunion, il m'a soufflé que tous ceux qui étaient derrière, les personnes déplacées étaient des anti-balaka, mais que je ne m'inquiète pas, qu'ils ne me feront pas de mal. Ils sont venus écouter ce que je disais aux populations. Et donc, là, j'ai été vraiment en contact direct avec les anti-balaka. Après ça, je n'ai pas eu d'éléments d'information spécialement sur les anti-balaka jusqu'à ce que je vienne à la tête de l'état de transition. Et en ce moment-là, j'avais des notes d'information, des notes de gendarmerie, des notes de mon cabinet, des notes des coupures de presse, etc., sur les anti-balaka, sur leur origine, sur leur organisation, sur leur structure actuelle. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des informations sur les anti-balaka. Et c'est là que j'ai su que les anti-balaka ont une origine lointaine. C'était des jeunes qui étaient organisés pour défendre leur localité contre des braqueurs, contre des bandits, contre ceux qui venaient donc voler dans les bétails, etc. et tout. Donc c'était des jeunes qui se défendaient avec des armes de fabrication traditionnelle, avec des armes blanches, et qu'ils se défendaient ainsi. Et quand il y a eu le phénomène
Celica. Donc, c'est ces jeunes-là qui, dont les parents ou eux-mêmes directement, plus ou moins, ont plus ou moins souffert des exactions de la Celica, se sont organisés pour défendre donc leurs intérêts, leurs causes, leur vie autour de ce mouvement anti-Balaka. J'ai su aussi que par la suite, ils ont été structurés par les FACA qui ont regagné donc le mouvement anti-Balaka et que donc la plupart des membres de l'armée qui ont fui donc les corps militaires pendant les événements ont rejoint les anti-Balaka et c'est eux qui forment les anti-Balaka qui leur donnent une organisation plus structurée et plus rationnelle. Thank you, madame. Merci, madame, pour cette vision générale. Alors, lorsque vous traitiez avec les anti-Balaka, par exemple, lorsque vous receviez des rapports selon lesquels quelque chose était en train de se passer et que vous vouliez améliorer les choses ou mettre fin à des choses négatives, qui contactiez-vous du côté anti-Balaka ? Balaka, j'avais un interlocuteur, c'était Patrice Edouard-Gaïssona. C'était lui qui s'est présenté à moi dès le début comme coordonnateur. Et comme j'ai vu qu'il avait une certaine ascendance sur les autres membres du mouvement, c'est lui que je contactais en priorité. Question. Et lorsque vous le confrontiez aux exactions qui auraient été perpétrées, comment réagissait-il? Bon, déjà, il commençait à reprocher aux autorités de la transition de ne pas faire ce qu'il faut pour impliquer davantage les anti-Balaka, pour tenir compte de leurs vœux. Donc, d'abord, c'est le reproche, évidemment. Et puis, il disait qu'il essayait de voir à son niveau ce qu'il pouvait faire. Thank you. Question, merci. Est-ce que vous savez comment étaient financés les anti-Balaka ou qui finançait les anti-Balaka? Très sincèrement, je ne connaissais pas la source de financement des anti-Balaka. J'ai simplement découvert, que la plupart des cadres, des hauts cadres centrafricains non musulmans étaient plus ou moins anti-Balaka. Jusqu'au niveau de la présidence, de mes collaborateurs, en fonction des réactions des uns et des autres face à certains événements ou à certaines prises de position ou décisions que je prenais, je me rendais compte que les anti-Balaka étaient partout. Ils ont envahi l'administration, ils sont partout. Donc, peut-être que chacun, au niveau où il était, en fonction de ses moyens, de ses possibilités, finançait les anti-Balaka. Question. J'aimerais vous montrer un extrait de la déclaration que vous avez faite lors de la phase d'enquête, car au TP 2107, ou plutôt, oui, 2107-0754, à la page 0776, à partir de la ligne 783. So perhaps you can zoom in a little bit. 7, 8. Que vous pourriez agrandir. 7, 8, 3, voilà, c'est bon. Et Madame Samba Panza,
Lisez, s'il vous plaît, jusqu'à la ligne 797. De la ligne combien? Excusez-moi. Question, oui. Excusez-moi, je n'ai pas été suffisamment claire. De la ligne 783 à la ligne 797. And you say there. Et vous dites que d'après ce que vous aviez entendu, M. Ngaïsona soutenait financièrement les anti-balakas. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Oui, tout à fait. Je me rappelle avoir dit cela et avoir soutenu ça à plusieurs reprises. Comme je l'ai dit dans cette déclaration, les anti-balakas, ceux qui étaient sur le terrain, étaient pour la plupart des gens sans moyens, illettrés, qui venaient de province et qui avaient besoin d'être pris en charge, de manger, de nourriture, etc. Et M. Ngaïsona assumait cela. M. Ngaïsona les prenait en charge, s'occupait d'eux, des questions de santé, des questions familiaux, familiales, etc. et tout, c'était Ngaïsona. C'était Ngaïsona qui leur apportait le soutien nécessaire. Thank you very much. Question, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant changer de sujet. Est-ce que vous vous souvenez au début de votre présidence, vous vous êtes rendu à Mbaïki? Oui, monsieur le juge, j'ai accompagné le ministre français Le Drian à Mbaïki. Monsieur Le Drian était venu en visite à Bangui et devait aller rendre visite et encourager les troupes françaises de la Sangaris détachées dans la Lobaï. Et j'en ai profité pour aller dans la Lobaï, surtout à Mbaïki, sachant qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec les ressortissants musulmans de cette localité. Question. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont vous vous souvenez, donc peut-être un peu le contexte de la visite, pourquoi vous y êtes allé, et s'il y a eu une réunion là-bas, comment est-ce que vous avez été accueilli, ou pas d'ailleurs, par la population, si vous en souvenez bien entendu. Comment est-ce que la visite donc s'est déroulée? Bien, monsieur le juge, je m'en souviens très bien, je vous l'ai dit. Je voulais profiter donc des moyens de déplacement du ministre Le Drian qui allait vers les troupes françaises Sangaris pour aller voir d'abord comment les troupes Sangaris apportaient l'assistance nécessaire aux populations qui étaient dans le besoin et ensuite rencontrer les populations pour m'enquérir de leur situation dans les échos qui me parvenaient paraissait très dramatique, notamment en ce qui concerne les populations musulmanes. On m'a notamment dit qu'il n'y avait plus de musulmans, pratiquement plus à Mbaïki, qu'il y avait comme une épuration ethnique là-bas et que les quelques musulmans qui étaient devaient être protégés. Et c'est ce que Sangaris essaye de faire. Et donc, évidemment, je ne peux pas aller en tant que chef d'État dans une localité sans rencontrer les autorités locales, sans rencontrer la population, sans faire une rencontre officielle. Donc, il y a eu un meeting qui a été organisé par les autorités locales et au cours duquel j'ai pris la parole, en plus du maire, en plus du préfet, en plus de deux, j'ai pris la parole. Alors, dans la population qui était concentrée pour écouter les différentes interventions,
il y avait une forte présence d'anti-Balaka, une forte présence qui me huait, qui avait des mots assez durs, en tout cas qui me huait. Et donc, en réaction, je leur ai dit que ça ne peut pas continuer. Voilà ce que j'ai dit par la suite. Bon, il y a eu des débordements. Que ça ne peut pas continuer comme ça, les exactions à la République centrafricaine. Et que s'ils continuaient voilà la phrase que j'ai dite et qui a été reprise par les médias, par RFI, etc., pour dire que j'ai déclaré la guerre aux anti-Balaka. Question, oui. Effectivement, Madame Samba Panza, vous vous êtes exprimée lors de cette réunion et nous allons entendre les propos que vous avez eus. Intercalaire 41, car OTP 2023, 16, 36. À partir de 19 minutes 06 jusqu'à 20 minutes 20 secondes. Et pour les interprètes, je dirais que la transcription figure à carte D29-0006-0107 à la page 011415, intercalaire 42. Et faites-moi un signe, s'il vous plaît, lorsque vous êtes prêt. Le président. Oui, 1-1-5. À partir de la ligne 2, lorsque Madame Samba Panza commence à s'exprimer. It starts with grâce à vous. Cela commence par les termes grâce à vous. Do you have it, when... Le président, est-ce que vous l'avez trouvé lorsque Madame Catherine Samba Panza commence son discours? Peut-être que ma transcription n'est pas complète, je n'en suis pas sûre. And it continues, j'ai pu avoir l'occasion. I think that you could find that. You have it now? Oh. No. Voilà. Alors peut-être que vous l'avez trouvé. Non, ce n'est pas la peine de vous excuser. Nous allons donc commencer à diffuser la vidéo. Le chef de l'État de la transition, Madame Catherine Samba Panza, a sévèrement attiré l'attention des milices anti-Balaka sur leurs exactions et s'est dit très résolu à œuvrer pour consolider la paix en République centrafricaine. Grâce à vous, j'ai pu avoir l'occasion de venir exprimer à cette population qui, comme la plupart des populations des autres préfectures, a profondément souffert des violences, des tueries, des groupes non conventionnels que sont les ex-Séléka et actuellement les anti-Balaka. Je suis reconnaissante au président François Hollande pour l'accompagnement multiforme qu'il n'a cessé de nous apporter pour essayer de stabiliser ce pays profondément marqué par plusieurs années de tuerie, de souffrance des populations. Je voudrais m'adresser à la population. Je veux So I think le président. Donc So we have heard this Donc nous avons entendu Madame Samba Panza. Donc vous parlez des tueries, des groupes
des Seleka, des Antibalaka. Et avant que nous ne diffusions la vidéo, vous aviez dit que les Antibalaka avaient déclaré que vous leur aviez déclaré la guerre. Mais qu'entendez-vous par cela? Monsieur le juge, c'est ce qui a été dit et répété à plusieurs reprises. Peut-être que les propos que j'ai tenus ce jour-là transcrits peut-être indiquent que j'ai bien utilisé cette terminologie. Et je sais simplement de mémoire que je leur ai dit qu'ils me trouveront sur leur chemin s'ils continuaient à ces exactions. Mais bon, il est possible que j'ai dit ça. Si j'ai dit ça, ben j'assume. Question. J'aimerais maintenant aborder avec vous une autre question et parler d'une autre région de votre pays qui a souffert. Il s'agit de Boda et l'année est toujours l'année 2014. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et je pense à votre perspective, la perspective que vous aviez en tant que présidente. Merci, Monsieur le Président. Boda fait partie de ce qu'on appelait les enclaves musulmanes. Il y en a eu quelques-unes comme ça au kilomètre 5, à Berberati, un peu partout, des enclaves musulmanes où les musulmans étaient empêchés de sortir et vivaient dans une prison à ciel ouvert. Mais même dans une prison, on mange, on se soigne, on peut se déplacer à l'intérieur. Boda était une zone très peuplée de musulmanes parce que c'était une zone riche en ressources naturelles. Donc beaucoup de musulmans étaient là-bas pour le commerce de l'or, du diamant et du bois et d'autres choses. Donc quand il y a eu cette crise, le Sud a également souffert de cette grande crise. À partir de Maïki, en remontant, on arrive à Boda. Boda, il y avait 1 millier de musulmans, je n'ai pas le chiffre exact, mais 1 millier de musulmans qui étaient bloqués dans l'enclave, qui les abattaient au fur et à mesure qu'ils sortaient, recherchaient de l'eau, de la nourriture, des soins, etc. Ils ont tracé ce qu'on appelle une ligne rouge et à chaque fois qu'un élément de l'enclave musulmane sortait, on l'abattait. J'ai été interpellée sur cette situation par l'évêque de Maïki, par des ressortissants de Boda, par le préfet de la Lubaï, qui sont venus me voir pour me dire qu'il se vit un drame terrible à Boda. Madame la Présidente, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai décidé d'envoyer une mission à Boda pour voir qu'est-ce qui se passait réellement, m'enquérir de la situation réelle. Donc, au retour de la mission, il m'a été donc rapporté que il n'y avait plus de justice à Boda, il n'y avait plus de prison à Boda, il n'y avait plus de centre de santé, il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus rien à Boda. Et que, bon, ben, les populations musulmanes qui étaient dans l'enclave souffraient et mouraient peu à peu sous les yeux de tout le monde. Et donc, j'ai décidé de remettre à flot un minimum d'administration à Boda. Avant que nous on arrive à Boda même, sans pas dans l'enclave, mais à Boda même, dans la ville de Boda. Donc, j'ai renvoyé une équipe de justice, j'ai envoyé une équipe d'une maison pénitentiaire, j'ai envoyé un minimum pour qu'il y ait une certaine administration qui fonctionne. Ça ne résout pas le problème des musulmans qui sont dans l'enclave de Boda. Et j'ai organisé donc une mission là-bas pour essayer d'aller voir ces populations et puis surtout discuter avec les populations qui ne vivent pas dans l'enclave musulmane pour essayer de trouver
donc une solution. Donc j'ai été là-bas avec une forte délégation accompagnée de la communauté internationale. J'ai pu aller visiter l'enclave musulmane. J'ai fait tout le tour pour voir moi-même comment les choses se passaient. Et ensuite, j'ai été à l'église catholique à côté, visiter. Et puis, j'ai reçu les délégations des différentes populations qui étaient là, y compris des représentants d'Antibalaka. Question. Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous avez parlé du côté des Antibalaka? Monsieur le juge, il y avait un groupe d'Antibalaka, et c'est la ministre qui m'assistait qui avait pris les listes de présence pour son rapport. Je n'ai pas cherché à voir ça par la suite. Question. Lorsque vous parlez de la ministre, de qui parlez-vous? J'avais la ministre qui s'occupait des actions humanitaires, quelque chose comme ça. C'est Madame Détoy-Charette qui m'avait accompagnée. Mais j'avais deux ou trois femmes ministres avec moi. Celle chargée des actions humanitaires, celle chargée de, enfin, toutes les. Chacun, chaque ministre, en ce qui concerne ses responsabilités, était là dans la salle avec moi. Question, Madame Samba Panza. À cause d'un problème de connexion, nous n'avons pas entendu le nom de la ministre pour les affaires humanitaires. Est-ce que vous pourriez répéter son nom, s'il vous plaît? Madame Jeannette Détoy. Mais je pense qu'il y avait aussi Madame la ministre Mazangé et celle de la Santé aussi, Madame la ministre Samba Marguerite, Samba Maliavo Marguerite. Thank you. Merci. Et vous dites que vous avez pu vous faire une idée de la situation. Que, est-ce que, même si je sais que beaucoup de temps a passé depuis, est-ce que vous pourriez nous dire quelle fut l'impression que vous avez dégagée au sujet de la situation de la population musulmane à l'époque? Quand j'étais à Boda, j'ai tenu un meeting où on a pu faire partie des jeunes filles, des jeunes garçons musulmans qui étaient venus avec des pancartes pleines de messages. Nous voulons la paix, nous voulons ceci, nous voulons... qui étaient là. Quand ces jeunes musulmans pour présenter leur message. Ils ont été tellement occupés par les enseignants. Question. Madame Samba Panza, une fois de plus, le son a été interrompu. Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît? Mais, alors, la situation n'est pas idéal, mais j'ai l'impression que vous faites preuve de beaucoup de patience à mon égard, à notre égard. Donc, s'il vous plaît, répétez. Monsieur le juge, j'ai l'habitude à Bangui d'avoir des problèmes de connexion. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas pour moi. Très bien, je vais reprendre. Oui, je disais que cours donc, du meeting à Boda, on a pu obtenir de l'évêque, des autorités locales, de faire participer des jeunes musulmans de l'enclave qui sont venus avec des messages de paix sur des pancartes écrites au charbon de bois ou à la craie. Ils ont été tellement hués par les anti-Balaka. Il y a eu un mouvement tel qu'on a eu peur pour leur sécurité. On les a fait partir. Et moi, quand j'ai commencé mon discours, j'ai été
tellement huée qu'on ne m'entendait presque pas. Donc, mais c'était très, très difficile. Alors, sur place, nous avons convenu avec les représentants des populations qui étaient là, les femmes, les associations de femmes et les Nations Unies, de réfléchir à une action de cohésion sociale, une action, une activité où tous les membres des différentes communautés puissent être impliqués. Et nous nous sommes dit la meilleure activité, c'est de créer un marché. Sur place, on a demandé le point de vue des populations qui étaient d'accord qu'on créerait un marché où chacun viendrait vendre, même si au début les gens se font d'accord, et finalement, au fur et à mesure des activités et des échanges, ils pourront essayer d'avoir des contacts, des échanges, etc. Donc, c'est ce qui a été décidé et c'est ce qui a été fait par la suite. Question. Oui, je pense que nous avons compris l'essentiel. Alors, j'aimerais maintenant, Madame Samba Panza, parler de quelque chose qui n'a pas été dit par vous, mais qui a été dit par le général Sangari, le général des Sangaris, et nous aimerions avoir votre point de vue à ce sujet. Donc, c'est une déclaration du général KROTP 2090-0408 à partir de 00 jusqu'à 0034. La transcription figure dans le document KROTP 2107. 1598 et indiquez-moi donc lorsque vous êtes prêt. Et il s'agit de l'intercalaire 78. I see thumbs up. So, donc je vois que l'on me fait un signe. Donc écoutez, Madame Samba Panza. Well, sound would be good. Le président, et ça serait parfait avec du son. Il faut aussi qu'on s'interroge. We need to stop the troublemakers, especially those claiming. Il faut qu'on s'interpose aux fauteurs de troubles, et notamment tous ceux qui se réclament des anti-balakas. Et on sait parfaitement qu'il y a parmi eux de véritables bandits, des voyous. Ce sont eux les criminels, c'est vraiment sur eux qu'aujourd'hui je porte clairement nos efforts. Ce sont eux qui causent le plus de pertes dans les populations, ce sont eux qui stigmatisent les communautés. So, Madame Samba. Le président, Madame Samba Panza. Vous avez entendu les propos du général. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec le général Soriano? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez eu une interaction avec lui? Oui, monsieur le juge. J'ai beaucoup travaillé avec le général Soriano. La force Sangari, c'était un fort partenaire pour le retour de la sécurité et la protection donc des populations et des institutions également de l'État. Et donc régulièrement, j'interférais avec le général de la Sangaris et tous les autres qui sont venus par la suite d'ailleurs. Question. Est-ce que vous avez parlé avec lui de ce qu'il a dit pendant cet entretien ou cette interview? J'ai pas parlé de ça avec lui, mais il est évident, il est établi
que les anti-balaka originaires, ceux qui ont peut-être une vision noble de leur mouvement, ont été infiltrés par toutes sortes de bandits, de voyous, par toutes sortes de jeunes oisifs. Ça, y a rien à faire. Ils ont été infiltrés. Et donc, bon, c'est eux qui causaient les plus de problèmes, puisque de toutes les façons, le mouvement, la coordination, je pense, ne pouvait pas avoir d'emprise sur ces jeunes dans le quartier, sur le terrain. Bon, ils ont essayé de mettre en place des structures, mais n'empêche qu'il y a des éléments qui incontrôlables. Ça, il n'y a rien à faire. Question. Bien, je devrais peut-être dire au fin du compte-rendu d'audience que c'est une interview qui date du 13 février 2014 et nous voulons maintenant diffuser la réaction de M. Ngaï Sona. Bon, on se rappelle un peu ce que vous avez dit. Donc, intercalaire 51. Donc, 21 février 2014, CAR-OTP. Où suis-je ? Ah oui, CAR-OTP 2042-2641. À partir de 18:38 jusqu'à 21:00. Et la transcription figure à l'intercalaire 51, CAR-OTP 2118-5622. Donc, une fois de plus, faites-moi signe lorsque vous êtes prêt. D'accord, nous pouvons diffuser cela. Menila benit kota tene auna iriti antik balaka so atene antik balaka aike kanga lege chikiri na siriri na yachi kodro alimbi asara bira nala. So we have le président, donc il faut recommencer. Nous n'avons pas entendu l'interprétation, mais il n'y a pas de problème. Je pense que au vu des circonstances, je suis absolument surpris de voir que tout se passe bien. Lorsque les interprètes seront prêts, est-ce que vous pourrez m'indiquer ? Et je m'adresse également à la cabine Sango. Et peut-être que nous allons pouvoir diffuser cela à nouveau. Le président, donc c'est manifestement en sango, donc nous devons avoir l'interprétation du sango vers le français, puis du français vers l'anglais. Alors, lorsque tout le monde sera prêt, faites-moi signe et nous commencerons. Perhaps also sango booth, are you ready? Je m'adresse à la cabine sango, est-ce que vous êtes prêt? Oui, nous sommes prêts. Well, a nodding is always a good sign. Le hochement de tête est toujours un bon signe, mais attendons de voir si c'est effectivement le cas. Nous sommes prêts. Comme annoncé dans le titre de notre journal parlé, de graves rumeurs ont circulé sur les anti-balaka qui accusaient les accusants de perturber la paix dans le pays et qu'il convient de leur faire la guerre. C'est ce qu'a déclaré le général Francisco Soriano, le commandant en chef Sangaris en République centrafricaine. Ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles du sourd. C'est ainsi que M. Patrice Edouard Ngaï Sona, se présentant publiquement comme le chef des anti-balaka, a critiqué vertement ses propos. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le faire, car
beaucoup de fils de pays qui ont soutenu les actes des anti-Balaka effectués dans le but de sortir le pays du joug des ex-Séléka qui malmenaient les populations, se sont élevés contre ces déclarations et ont demandé à ce que de tels propos ne soient pas tenus à la légère. C'est ainsi qu'après mûre réflexion et après concertation avec les différents groupes d'anti-Balaka, M. Edouard Patrice Ngaïsona a lancé un appel à tous les anti-Balaka pour qu'ils se rassemblent dans des endroits précis afin de faciliter leur identification et se reposer en attendant l'aide que l'État va accorder pour leur retour dans leur village, dans leur ville. Les villages d'origine, il a profité de cet appel pour indiquer que le cantonnement permettra aux forces opérant en République centrafricaine d'identifier rapidement les faux anti-Balaka qui ont du mal qui font du mal aux gens, ternissant ainsi le nom des anti-Balaka suivant une partie de sa déclaration. Je suis venu ici aujourd'hui pour demander aux anti-Balaka de la République centrafricaine de se retirer, d'abandonner les combats afin de permettre l'identification des faux anti-Balaka qui sont en train de ternir le nom des vrais anti-Balaka. Ils sont nombreux et les forces centrafricaines ainsi que celles de la MINUSCA et Sangaris cherchent à mettre la main sur ces personnes qui créent des désordres en spoliant les populations, en tuant les gens et en braquant les habitants des quartiers. Retirons-nous et laissons libre cours à ces forces pour neutraliser ces personnes qui ternissent nos noms. Nous ne sommes pas là pour nous battre, c'est pourquoi je demande à tous les anti-Balaka de se retirer et de laisser le champ aux forces étrangères et aux autres pour neutraliser les personnes qui commettent ces choses au nom des anti-Balaka, ternissant ainsi leur nom. Président, merci beaucoup. Madame Sambapanza, est-ce qu'à l'époque vous aviez également entendu cette déclaration ? Oh, certainement, j'ai entendu tellement de choses, c'est possible, mais ça va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Question. Effectivement. Bien. Changeons de sujet. J'aimerais vous poser des questions sur une tentative d'arrestation de M. Nguessona dans le contexte d'une participation à une réunion à la présidence. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement ? Je suppose que oui, puisque... Votre réponse a été assez émotive à la question dans la phase d'enquête. Oui, monsieur le juge, je m'en souviens bien. Et monsieur Ngaïsona, qui nous écoute, doit s'en souvenir également très très bien. Parce que nous avons été les deux ce jour-là à subir les difficultés judiciaires qu'on a connues ce jour-là. J'ai effectivement convoqué une réunion pour rencontrer les anti-Balaka, pour discuter d'un certain nombre de choses. Je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait, mais en tout cas... De nombreux anti-Balaka étaient venus, y compris M. Ngaïsena. La réunion s'est très bien passée. Je pense que nous avons dû discuter aussi des cartes d'identification, des cantonnements, enfin un certain nombre de sujets. J'ai laissé mes collaborateurs continuer la discussion avec eux, parce qu'il y avait des aspects techniques, pratiques, etc. Moi, c'était politique et je me suis donc retirée dans mon bureau pour continuer mon travail. Et quelques temps après, on est venu me dire qu'il y avait un souci, qu'il y avait la police de la MISCA, donc c'était la mission de l'Union africaine en Centrafrique, qui était là pour arrêter M. Ngaïsona
conformément à un document qui a été délivré par les autorités centrafricaines. J'étais surprise parce que je n'étais pas au courant de cette démarche. Donc, j'ai appelé le responsable de la mission de l'Union africaine à Bangui et lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Il me dit, mais Madame la Présidente, quand vous nous donnez des ordres, nous les exécutons. Vous avez établi un ordre d'arrestation contre M. Ngaïsona. Mais maintenant que M. Ngaïsona est dans vos murs, on l'arrête. Alors, je lui ai fait comprendre que M. Ngaïsona a quitté chez lui de Boirap jusqu'à la présidence, ils l'ont suivi, ils auraient pu l'arrêter en dehors de la présidence. Et s'ils veulent l'arrêter au sein de la présidence, ça veut dire qu'il y a un problème, que les forces internationales veulent me mettre en difficulté vis-à-vis de ma population et vis-à-vis des anti-Balaka, mais surtout vis-à-vis du processus de paix et de réconciliation que je m'efforce à établir dans le pays. Il m'a simplement répondu que ça va être exécuté et qu'ils vont arrêter M. Ngaïsona. J'ai alors appelé la MINUSCA, comme force de la MINUSCA, qui est venue dans mon bureau, et je lui ai expliqué la situation. Il me dit, il n'y a rien d'autre à faire, on va l'arrêter. J'ai dit, vous n'allez pas arrêter M. Ngaïsona dans mon bureau à la présidence, en tout cas pas à la présidence. Attendez qu'il sorte, arrêtez-le où vous voulez, mais pas à la présidence. Il me dit, il est à la présidence, on va l'arrêter à la présidence. C'était assez épique ce qu'on a vécu, M. Ngaïsona et moi. Et M. Ngaïsona était là. Et donc, j'ai fait venir M. Ngaïsona à mon bureau. Il est resté plusieurs heures avec moi dans le bureau. On était prisonniers, tous les deux, de la MISCA, parce que de toutes les façons, il mettait le pied dehors. En dehors du bureau, on l'arrêtait. Ils étaient tous là prêts à l'arrêter, ce que je ne pouvais pas accepter. Bien entendu, les autres anti-Balaka qui étaient là ont prévenu les autres dans les quartiers. Et tout Boirab et tous les quartiers anti-Balaka étaient en émoi. Et ils m'ont envoyé un message disant qu'on arrête M. Ngaïsona et on met le feu à Bangui. On va tous brûler Bangui. Donc, c'est à vous de choisir. Ou vous arrêtez M. Ngaïsona et il y a le feu à Bangui, vous n'arrêtez pas M. Ngaïsona. Donc, j'ai montré ces messages-là aux forces internationales qui ne voulaient rien savoir. J'ai supplié le général Toumenta, pour qu'il me trouve une solution judiciaire, juridique au moins, parce que laisser sortir M. Ngaïsona, ce n'est pas possible. Donc, il m'a dit, la seule chose à faire, c'est de faire venir le procureur de la République. Que M. Ngaïsona soit écouté sur procès verbal et qu'on essaye de trouver une solution à condition que M. Ngaïsona fasse une déclaration et une reconnaissance de responsabilité sur les actes qui ont été posés dans le passé. Donc, le procureur de la République est venu à rédiger un projet que M. Ngaïsona a recopié de ses mains, qu'il a signé. Ensuite, le procureur de la République, accompagné du général Toumenta, ont accompagné M. Ngaïsona au tribunal de grande instance, je pense, où il a été entendu sur PV. Et où ils ont trouvé un arrangement. Il doit passer chaque jour, je pense chaque jour ou tous les deux jours, je ne sais plus, pour émarger sur la liste de présence, qu'il ne peut pas sortir du territoire national sans autorisation, également pendant que la procédure suit son cours. Et donc c'est à 19h, 19h30, que M. Ngaïsona et moi-même avons été libérés. Donc, en gros, voilà ce que je peux vous dire. Question. Eh bien, ça a dû être un moment épique, ce jour-là.
J'aimerais vous montrer un document, c'est l'onglet 59, c'est AROTP 2101-1821. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Madame Samba Pansa? Ce document, monsieur le juge, je l'ai lu, puis après je ne l'ai plus gardé. Et donc, je le redécouvre seulement ici. Je n'en ai pas de copie. J'ai laissé la copie que j'avais à la présidente pour mon successeur. Et donc, ben, je le découvre ici. Well, then, we give you... Question. Bien, vous avez la possibilité aujourd'hui de le lire en détail. Hein? On peut peut-être... le faire défiler lentement à l'écran pour qu'on on voit la deuxième partie, s'il vous plaît. Madame Samba Panza. Samba Panza lit vite, donc on peut vite descendre, hein, vite faire dérouler le document. Elle a beaucoup lu dans sa vie. J'ai déjà lu. Bien. Madame Samba Panza. Est-ce que ce document pourrait être considéré comme le résultat de ce dont nous avons parlé ce jour-là, de ce qui s'est passé ce jour-là avec M. Nguessouna dans le palais présidentiel, où vous étiez, disons, comment dire, vous ne pouviez pas partir non plus. Est-ce que cette déclaration sur l'honneur est le fruit, le résultat de ce que vous nous avez raconté tout à l'heure? Tout à fait, c'est cette déclaration sur l'honneur. I would like to change top. Le président. Alors, j'aimerais que l'on change de sujet. Il ne me reste plus beaucoup à aborder. Ça va aller vite. Mais je suggère simplement que nous raccourcissions un petit peu la pause déjeuner jusqu'à 14h. Puis je pense qu'en une demi-heure, on peut avoir fini. On va voir... évidemment, on vient à peine... on commencera à peine l'examen... du témoin par les autres parties demain. Est-ce que Madame Stroyen, vous savez combien de temps vous aurez besoin, Madame Stroyen? Je pense que j'aurai besoin de la journée entière demain. Oui. Juge président, d'accord. Les représentants des victimes. Mr. President. Madame Massila, Monsieur le président, on aura très peu de questions. Peut-être une demi-heure maximum. Ça dépendra aussi de ce qu'aura couvert l'accusation. Juge président, je pense qu'on aura fini l'accusation et le représentant des victimes demain. Je pense, Maître Knops et Maître Dimitri, que c'est un peu tôt pour vous poser la question. Maître Knops, Monsieur le Président, on a décidé que c'est nous qui irons en premier, notre équipe, ce qui a du sens. Et nous pensons qu'on aura besoin de 4 à 5 séances. Évidemment, on fournira la liste, hein, comme d'habitude, mais c'est à peu près ce qu'on évalue. Juge président, oui, c'est ce que j'imaginais aussi. Maître Dimitri, est-ce que vous-même, vous avez une idée ou vous ne pouvez pas du tout vous lever? Non, je plaisante. Je plaisante, je vous en prie. Permettez-moi de faire tomber un peu l'attention. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. J'espère que lorsque ce sera mon tour, on n'ait plus trop à faire. Il reste plus. Très bien, on va voir ça. Alors, on fait la pause maintenant. On se retrouve à 14h.